Il va pas tarder d'arriver, Rabbi Emmanuel. Il m'a envoyé un SMS 5 minutes. Ah, Taïch, tu vas bien, Amos? Baruch Hashem. Bon, Baruch Hashem. Je n'ai pas fait trop de fautes de fautes de grammaire dans ce que j'ai écrit. Non. Non, moi j'ai peur toujours de. On s'en fout. Des lettres en moins, je ne suis pas sûr de. On s'en fout. Mais bon. Là, le marcha et tout ça, ce n'est pas évident du tout. Ah non, là, c'est vraiment. Là, j'ai nagé. Hein. Non, la vérité, il faut réfléchir, il ne faut pas simplement faire comme ça, il faut les préparer comme il faut. En tout cas, j'ai eu de la chance de vous avoir, je suis arrivé juste à temps. Et alors, vendredi, Mirtzé Hachem, le cours comme d'habitude. Et l'après-midi à 2h30 ou 2h15. 2h15. Ouais, là, c'est moins facile. J'ai un autre rendez-vous demain, vendredi, mais bon, on va voir comment je vais. On va voir. Peut-être que j'arriverai à me débrouiller. Mais est-ce que j'ai besoin de savoir? Allez, la semaine prochaine, on continue avec Serge et Herbie Danouche et Jojo. Oui, pourquoi pas? Non, bah, je ne sais pas. Pourquoi pas? Mon principe, sur Zoom, oui. On peut travailler. Puisque sur Zoom, maintenant, on peut. Même s'ils vont en vacances sur Zoom, on peut travailler. Hein. Oui, non, oui, bien sûr. Bon, Jojo, il a dit qu'il avait un rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais plus ce que c'est. OK. Non, mais la question, c'est Manu. Manu, il va continuer? Je ne sais mais pas. Hier, il a... Non, il va prendre la... L'ordinateur, s'il a Internet, oui. Il va aller en vacances, lui. Oui, c'est ce que j'ai entendu hier, c'est pour ça. Mais moi, j'espère qu'on va continuer un petit peu. Oui. Avec, comme tu as dit, avec le Zoom, on doit pouvoir le faire. Et tu as eu des nouvelles de Rabbi Chaim? Non, à part ce que j'ai dit hier, j'ai rien... Moi, je dis que ça serait bien, mais bon, je comprends qu'il est fatigué aussi. Mais c'est simplement qu'on a besoin de le voir aussi. C'est un chizouk. Même le fait de le voir, ça nous donne du chizouk. Et même lui, s'il nous entend qu'on étudie et qu'on est avec lui, ça va lui donner de la simcha et ça va le refaire. Ouais, mais bon. La foi. C'est mais vrai. Je comprends aussi qu'on est fatigué et que ce n'est pas facile. Ah, voilà. J'ai un contre-temps. Je vais essayer de me connecter avec ce téléphone. Ça va, Rabbi Emmanuel? Ça va et toi? Baruch Hashem. Tu as préparé, tu es prêt pour ce soir ou pas? Ouais, ah, voilà, je suis là. Ah, tu as deux là, tu es connecté en deux fois là. Non, mais je vois. J'ai dit qui c'est ce nouvelle personne là. Non, je vois. Comment il faut que pour que je parle? Attends, attends. Mais tu es en train de parler là, je t'entends. Non, mais il veut. Voilà, il veut faire sur l'autre, sur le nouveau téléphone. Ah, pour le téléphone? Ah, fais un petit peu plus haut parce que il y a pas fais le son. Tu as mis le son pas? Il y a pas le son? Ah. Voilà, il a toujours pas. Et là, il a coupé le micro du bleu et sur le rouge, il l'a pas mis. T'entends?
si j'ai et de Amos, comment il faut faire pour que ça marche? Voilà, tu es en train de me parler là. Ah, parce que là, c'est sur l'ordinateur, mais moi, je suis sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu as comme téléphone? Celui-là. Lequel? iPhone. Srier. iPhone. Oui. Non, mais normalement, c'est pareil, Manu. Tu n'as pas le son? Tu n'as pas le son? C'est ce que je sais. J'essaie de voir comment je peux avoir le son. Mais Manu, normalement, tu mets ton doigt sur l'écran et tu vas voir en bas, il y a un petit micro. Ça doit être barré en rouge. Ben non, c'est ça. Là, il est barré en rouge? Il n'est pas barré. Connecté à l'audio. Fais connecter à l'audio. Connecte à l'audio. Mais de toute façon, appuie plusieurs fois dessus. Appuie plusieurs fois dessus. Quelquefois, ça ne marche pas la première fois. Est-ce que là, ça marche? On t'entend, mais on ne sait pas si c'est l'ordinateur ou le truc. J'ai compris. Attends. Ouais, non. Toujours pas, là. Là, tu as éteint la caméra. Appel via Internet. Alors, pour entendre les autres, veuillez rejoindre l'audio. Comment je fais? Voilà. Ben, appuie. Et là, voilà. C'est bon. Alors, enlève le machin. Enlève le machin maintenant. Ferme l'autre. Là, ça y est, tu l'as. Enlève le micro. Le micro, il est... Voilà. Aïe. Ça y est, là. Ok, c'est bon. C'est bon, mais il faut que tu éteins l'ordinateur. Il faut que tu éteins l'ordinateur parce que ça fait un écho. La technologie, ça ne va pas du tout. Non, c'est rien du tout. Ça s'apprend rapidement. Ouais, mais là, tu es sur l'ordinateur. Ouais, oui, c'est ça. Je préfère l'ordinateur. Ah, donc, tu ne sais pas si tu as Harhonim là-bas ou pas? Hein? Est-ce que tu as de l'internet dans le Gharf Al-Ahtimshila? Ouais, c'est Marseille. À mon avis, il n'y aura pas de problème. Le Gharf, voilà. Le Gharf. Tu es à Marseille? Alors, je vais à Marseille, Baruch Hashem. Et on va continuer le cours alors? Ouais, à mon avis, ouais. Donc, comme d'habitude. Al-Tikli, Marseille, Marcha. Top. On va étudier Marcha là-bas. C'est bon? Oui, bravo. Alors, regardez, une seconde. Peut-être que c'est mieux que je me connecte sur le téléphone, parce que je vais vous montrer des photos. Je vais essayer de voir comment je peux vous montrer des photos. Ok. Alors, attends, je réessaye. Tu es prêt pour ce soir, Rabbi? Qu'est-ce que tu veux que je me prépare? Attends. Ah, le jeûne ou le béat. Ça ne va pas du tout. Je suis sur le téléphone, mais il y a un écho. Donc là, c'est bon, normalement. Vous m'entendez bien, là, non? Voilà, oui, je t'entends très bien, oui. Très bien. Alors, OK. Oui, là, ça y est. Alors, je vais essayer de voir si à certaines pages, voilà. Alors, attends. Comment on fait pour tourner? Oui, là, ça y est, on voit l'ordinateur. Et on voit une espèce de métier à tisser. Mais c'est pas très... Non, c'est les galants du Mishkan. Exact. Hazak Baruch, vraiment, l'aïnarat, aïné à Shemesh. L'aïné Koulamim. Là, ça va. Laissez-moi parler. Oui, Baruch Hashem. Laissez-moi parler. Quand je parle, vous voyez le. Oui, on voit, c'est bien. Vous voyez en grand, vous voyez en petit? En petit, quand même. Ah, vous ne pouvez pas agrandir. Attends, comment moi je peux agrandir, moi, ça? Mais tu peux peut-être rapprocher encore. Rapproche-le encore. Ouais, là, on voit mieux. Bon, retenez cette photo-là. Oui. Mais là, vous m'entendez bien quand je parle? Oui.
Ok, très bien. Alors peut-être je fais comme ça. D'accord? Peut-être je fais comme ça. Mais après, on va penser que ton visage, il est à gala. Voilà, et là c'est bon, ça c'est moi. D'accord. D'accord, ok. Alors attends, je le mets comme ça. Et quand on a besoin du. Voilà, quand on aura besoin de. Vous m'entendez bien, hein, c'est ça? Oui. Parfait. Après, là, la prochaine fois, quand il y a la petite qui va te déranger, on va la voir. Pas grave. Hein? Uber café. Allez. My, my. Amen, Ah. Haïm El Kelly. Allez, on y va. On s'arrêtait où hier? Shabbat, Daf Sadikhet, Amoud Rishon. Tenura banane. Non, non, pas Tanoura Banane. Amar Rav Shmuel. Ah, Bar Yehuda Marav Alors, Amar Rav Abba. Shmuel, Bar Yehuda, Amar Rabbi Abba, Amar Avuna, Amar Rav, Amar Avir, Arba Amot, Birshut Arabim, Mekora, Patur, Lefi She'en, Odomé, Les Diglé Midbar. Celui qui marche quatre amot, qui transporte quatre amot dans le Shut Arabim, mais il a un toit sur le Shut Arabim là, eh bien, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas au Dgalim qu'il y avait dans le désert. Quand l'Am Israël était dans le désert, eh bien, il n'y avait pas de toit au-dessus d'eux. On ne considère pas l'Ananim comme un toit. Et ni, demande la Gemara, c'est vrai ça. Vea agalot demkorot avyan. Vea mara mishum rabbi hiya agalot achten ou benen vesiden reshut arabim. Comment tu oses dire que dans le désert, le reshut arabim n'avait pas de toit? Voilà, Rav lui-même, il a dit, au nom de Rabbi Hiya, les agalot, sur laquelle on mettait les poutres, les agalot, Tarten, en dessous de eux, en dessous de Agala elle-même. Benem, entre la paroi de la Agala et jusqu'à la fin de l'épaisseur de la roue. Ouais, ça s'appelle Benem. Non, ça s'appelle Siden, pardon. Au Benem, c'est entre les poutres. C'était les Choutalabim. Alors, pour qu'on comprenne que ça veut dire, je vais vous montrer peut-être une photo. Comme ça m'évitera de beaucoup parler. Attendez une seconde. Hein. Voilà. Voilà. Alors, regardez comment c'est une agala. Est-ce que vous voyez ce que je vois? On voit Vous voyez quelque la gala chose. comment elle est? On voit Vous voyez quatre roues quatre roues. et Alors, deux. la largeur de la gala, c'est 2 amot et demi. La longueur d'une gala, c'est 5 amot. À partir de l'épaisseur jusqu'à la fin de la roue, des deux côtés, il y a 2 et demi. Ça veut dire 1,25 de chaque côté. De telle sorte que la largeur entière de la Hagala, avec les roues inclus, ça fait 5 amot. Et la longueur, elle fait aussi 5 amot. Donc, vous voyez, il y a les poutres qui sont sur la Hagalot, vous voyez? La Oui, poutre, oui. elle fait 10 amot. 10 amot, ce qui veut dire que puisque la largeur de la Hagala entière, elle est de 5 amot. D'accord? Donc il y a 2,5 amot qui sortent de chaque côté. La poutre, comme elle fait 10 amot et la largeur de la gala entière, roue compris, c'est 5 amot. Donc j'ai 2,5 amot qui sortent de chaque côté. Les agalotes, ils étaient deux par deux. Donc entre deux agalotes, il y avait aussi 5 amot. C'est bon, je suis clair là, non? Non, il y a quelque chose qui n'est pas Voilà. clair, c'est les 2,5, ils sont pas sur le destin. Je ne sais pas, je ne vois pas bien, mais écoute ce que je dis. La largeur entière des agalotes, c'est 5 amot avec les roues. Maintenant, il y a Oui. les poutres au-dessus. Tu vois, comme dans le schéma, il y a les poutres au-dessus. Ah, ça y D'accord? est, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, entre les deux agalotes, ça sort qu'il y a 5 amot. Parce que chaque poutre, il y a 2,5 qui sortent de chaque côté.
Très bien, j'ai compris. D'accord tout. Et donc, dans, par rapport aux deux agalotes, ça fait en tout 5 amotes. Ça, c'est ce qu'on appelle entre les poutres. Il y a en dessous de des poutres, ça s'appelle Bénéhem. D'accord. Sidéhem, c'est à partir de la roue jusqu'à la paroi de la agala, inclus. Et Tartéhem, c'est en dessous de la agala mamash. D'accord. Donc, Rav, il dit que ça s'appelle Reshut Arabim. Donc, on voit bien de là que bien qu'il y a les poutres au-dessus, donc c'est un toité, d'accord, à Falpiken, ça s'appelle un Reshut Arabim. Un Reshut Arabim. Donc, ce que tu as dit, c'est faux. Répond la Gemara, qui kamar Rav Bedarata. C'est quoi la réponse? Qui kamar Rav Bedarta. Rashi explique Dara en général, ça veut dire ranger. Mais ici, Rashi explique Berewarche Ben Shurot Aset. En fait, quand Rav il a dit que sous la Agala, etc., ça s'appelle Reshut Arabim, c'est entre les poutres. D'accord? Les poutres. Regardez. Je vais voir s'il y a une photo sur ça. Voilà. Je vais vous montrer une photo, vous allez mieux comprendre rapidement. Entre les rangées de poutres, il y a en effet un espace. Et c'est l'espace en dessous de cet espace-là que... En dessous de... Voilà. En dessous de cet espace-là que ça s'appelle Reshut Arabim. Mais là où il y a les poutres, c'est... en dessous des poutres, ça ne s'appelle pas Reshut Arabim. En dessous de l'espace qu'il y a entre les poutres, ça s'appelle Reshut Arabim. Vous voyez là? Il y a écrit ici Bedarta, vous voyez? Ok, c'est clair. Ça, c'est selon Rashi. Bedarta, c'est le Reshut Arabim et sous les poutres. En dessous le Darta, en dessous l'entre-poutre, eh bien, c'est Reshut Arabim. Mais c'est de ça que Rav parlait lorsqu'il a dit que Tartéhen, Sidéhen, etc., c'est Reshut Arabim, c'est ça la Kavana. Très bien. Maintenant, la Gemara va discuter de ce qu'on vient de dire. Je continue. Demande la Gemara Mikde Orka de Agala Kama Hawaï. Combien il y avait dans la longueur de la Agala? Hamesh Amin. Il y avait 5 amot, comme je l'ai dit. Je répète, la Agala elle avait une longueur de 5 amot. Et on mettait les poutres, d'accord, au niveau de la longueur de la Agala. Des poutres comme ça. Hamesh Amin Putia de Keresh, Kama Hawaï. Combien faisait la largeur de la poutre? Amata ou Palga. Une ama et demi. Kama motive, combien tu peux mettre de poutres sur 5 amotes? Tu peux en mettre combien? Tlata. Bon. 3. 3 fois 1,5, ça me fait 4,5. Combien il me reste? Il me reste un demi. Une demi-ama, une ama fait 6 tfahim. Une demi-ama, c'est combien? 3 tfahim. 3 tfahim. Maintenant, les 3 tfahim, je vais les diviser en deux espaces. Parce que dans trois rangées de poutres, il y a deux espaces. Deux espaces. Ah, les poutres, tu les mets à largeur, sur la largeur de la agala ou sur l'or? Regarde. Sur le dessin, c'est sur le horaire. Sur le voilà, regarde. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon, tu as vu? Oui. Très bien. Donc, là, tu as oui, oui, ok. Donc, 5 amotes. D'accord? Les 5 amotes. Ama bahit, c'est le reste à TMA. Hatsiyama, il y a deux espaces, puisqu'il y a trois rangées. Oui. Il y a deux espaces. Ça fait un quart. Voilà. Or, une ama, c'est 6 tefahim. Un quart, c'est 1,5 tefa. C'est bon? Oui, c'est bon. Et la Gemara, mais on dit les voûtes dans ce cas-là. Et quand tu dis les voûtes, ça s'appelle que tout était toité. D'accord? Et donc, ça devrait être Reshut Arabim. Et donc, l'entre-deux poutres, ça ne s'appelle pas Reshut Arabim parce que ça s'appelle encore, il y a un toit de,
comme si le toit il s'élonge de bout en bout. Et donc, Tartéen, ça s'appelle encore Reshut Arabim Sonorav, et il est toité. Voilà, la Gemara revient à la charge. Donc, Tartéen, c'est Reshut Arabim. Bien qu'il y ait un toit. Oui. Parce que toute la réponse qu'on a donnée en haut, c'était quoi? C'était de dire, non, je ne parle pas en dessous les poutres, je parle d'entre les poutres. Mais l'entre deux poutres, l'entre deux rangées poutres, deux poutres, il n'y a qu'un tefar et demi. Dans ce cas-là, on dit la voûte. Oui. Donc, ça s'appelle que tout est couvert. Et comme tu as dit que c'était un Reshut Arabim, donc ça veut dire qu'un Reshut Arabim couvert, ça s'appelle un Reshut Arabim. Question de nouveau contre Rav. Qui a dit les morts béné ou béné? Quelle est la voûte d'ami? Répond la Gemara, mi savrat krashim aputai wawa manahleu. Tu crois qu'on mettait les poutres sur leur largeur? Aputan manahleu. On les mettait sur leur épaisseur. Or, leur épaisseur, c'est faisait un tefah. D'accord? Et on verra plus tard dans Tosfot d'où on sait ça. Leur épaisseur faisait un tefah. Bon, on verra plus tard. Aputan manahleu. Point. Demande la Gemara. Sauf. Sumcha de Keresh, Kamawe, Amta, combien faisait l'épaisseur d'une poutre? Une ama, combien tu peux en mettre sur la charrette qui a une longueur de 5 amot? Kamawa motif, Arba, tu peux en mettre 4. Combien il te reste? Combien il y a d'espace entre 4 rangées? Il y a combien d'espace? Il y a 3 espaces. D'accord? Oui. Entre 4 rangées, il y a 3 espaces. Oui. Et les 3 espaces, tu dois diviser ça, une amas par 3 espaces. Une amas, c'est 6 tfahim. Tu divises ça par 3, ça fait 2 tfahim. De nouveau, revient la question. On peut encore dire la voûte. D'accord. Alors, il y a quelque chose de pas clair. Il y a quelque chose de pas clair. Tu m'as dit que la largeur, ou l'épaisseur, plus exactement, il fait 1 tfah. Une amas, pardon, j'ai peut-être je me suis trompé alors si j'ai dit. Une amas. Non, mais la tranche du Keresh. La poutre, le Keresh, elle fait 1,5, une amas et demi de largeur et une épaisseur de une amas. Oh là là, ça doit être énorme. D'accord. Non, donc, si tu mets 4 rangées comme ça, ça te fait 4 amotes. Non, parce qu'il va passer, il me faut trois dimensions. Il me faut la longueur. La longueur, c'est 10 amotes. Entends. La hauteur, c'est 10 amotes. La longueur, c'est 10 amotes. Ouais. La largeur, c'est combien? 1,5. Et l'épaisseur, c'est... Et l'épaisseur, D'accord. Alors, sachez que en tout, il y avait... On peut comme construire Rashi un pont avec ça. Alors, comme Rashi nous dit, il y avait en tout 48 poutres, c'est-à-dire 20 au nord, 20 au sud et 8 poutres au Maharav, à l'ouest. 6 au milieu et 2 extrêmes, comme on verra un peu plus tard. Du côté est, il y avait 0 poutre, il n'y avait qu'un vilon, un rideau. Comme il y a 48 poutres, il y a 4 agalotes. Chaque agala pouvait contenir 12 poutres. D'accord? Donc, c'est normal que la Gemara, elle dit que j'ai fait 4 rangées. Pourquoi? Plus tu fais des rangées, moins c'est haut. Et moins c'est haut, plus ça tient. Et si tu fais que 3 rangées, chaque rangée, elle est posée sur une amas uniquement. Tu vas avoir une rangée d'une amas et 4 dessus. Et 6 amotes de hauteur. C'est énorme. C'est pourquoi la Gemara l'a envisagé de dire. Il y a 4. Il y a 4 rangées. D'accord? Donc, pas chaleu amta, kishadile. Kishadila mor bene ou bene, que la voûte d'ami. Ok, donc la Gemara, elle dit, tu ne m'as pas répondu. Elle m'a dit, si je t'ai répondu, mais à moitié, c'est vrai. Ani halemande amar krashin mil matan rovian ama mil maalan kalin volchim akesba shapir dami. Shapir. Et halemande amar keshem shem mil matan rovian ama kar mil maalan rovian ama maikale memar.
Ça va bien pour celui qui pense que la poutre, elle est en triangle, rectangle. Alors, ça, tu vas t'en sortir. Mais celui qui dit que la poutre, c'est un parallélépipède rectangle. C'est une amas de bout en bout. La question que je t'ai posée, elle reste. Alors, pour que vous compreniez, ça veut dire quoi? Elle est en triangle rectangle. Ouais. Ça veut dire, à la base, ça fait une amas. Et il vient en diminuant. Un esba. Ça va en diminuant. Voilà. Alors, pour le moment, on comprend comme ça, on verra après dans Tosfot. Voilà. D'accord. Voilà, bah, vous allez voir une petite photo. Mais le roi, il est toujours en ma bahetse. Voilà, ça ne bouge pas. Vous voyez la photo là? Voilà. Voilà. Comprenez? Comme donc, si je ne vois pas, mais ce n'est pas grave, hein, je ne vois pas beaucoup. Pourquoi tu ne vois pas beaucoup? Là, tu vois là? Oui, ok. Très bien. Mais le dessin du bas, tu peux en mettre plus que le dessin du dessus. Voilà, ça va être une question de Tosfot. Le dessin du bas, ça sera une question de Tosfot. Alors, dit la Gemara, donc selon celui qui dit la poutre, elle était en triangle rectangle, ouais. Alors, ok, tu peux t'en sortir. Parce que comme ça se raffine à l'extrémité, eh bien, il y aura plus que trois tfahim, donc on ne va pas dire la voud. Et c'est ça le tahtéen de Rav qui a dit que c'est le shtolabib. Très bien. Mais selon celui qui dit que c'est homogène, un tfahim de bout en bout, la question revient. Comment on répond selon lui? Le voud, oui. Amar Rav Kahana, répond Rav Kahana, Be'atbe'e. C'est quoi Atbe'e? Rashi rapporte le pirouche de Serabanim et son pirouche à lui. On va commencer par le pirouche de Serabanim. Atbe'e, ça veut dire les anneaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les poutres, à cause des anneaux qu'il y avait, Tabarot, Atbe'e, le chant Tabarot, on ne pouvait pas les mettre comme on a dit maintenant. Ça dérangeait. Alors, comment on faisait? On mettait les poutres deux à deux. Alors, vous savez que les poutres, il y avait ce qu'on appelle des tabarotes où là-bas, on faisait glisser le bariyah pour coller toutes les poutres. On faisait glisser le bariyah. Cet anneau-là, il était fixé à la poutre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait, vous voyez mes mains là? Voyez mes mains, de là et de là, chacune d'une amas d'épaisseur posée sur la amas. Donc ça fait combien? J'ai combien là? 4 amotes. Maintenant les anneaux, ils sont un par là et l'autre par là. Parce que si je mettais comme ça, si je les mettais à les anneaux, ils vont se cogner. Donc je suis obligé de les séparer. Alors je mettais un anneau par là et l'autre anneau par là. La même chose de ce côté là. Combien il me reste entre les deux? Entre les deux index, il nous reste bien. Une amas, c'est Sitvahim. En dessous de ça, ça s'appelle le Shoutarabi. Pour que vous voyez ça d'un peu plus clair, regardez la photo. Voilà. Vous voyez? Alors, ce qui est en gris, ce sont les tabarot. Bon, je ne sais pas, en gris, ou, je ne sais pas, c'est. Ouais, ça doit être ça. En rond, c'est ce qui. Attends, voir. Non, c'est le contraire. En gris, c'est les roues. Et les ronds, ce sont les tabarotes. Vous voyez les tabarotes? Non. Voilà. Vous voyez là ou pas? Donc, à droite, à l'intérieur, vous voyez deux tabarotes. Oui. Voilà. Et on voit deux tabarotes. Deux tabarotes, une en face de l'autre. De telle sorte que maintenant, l'entre deux poutres, il y a deux fois deux poutres, n'est-ce pas? Oui, l'entre oui. deux, il fait une amas. Et une amas, bien sûr, il y a Sid Fahim. Il y a bien évidemment un Rishout Arabim. Il n'y a pas du tout la voûte dans ce cas-là. Je t'ai répondu à ta question. Quoi?
Je ne vois pas où sont les tabaots, Rabbeinu. Les tabaots, tu ne vois pas où ils sont. Tu vois les ronds ou pas? Je ne peux pas te changer. Les rouges, je les vois. Oui, les rouges, je les vois. Oui. C'est ça, les tabaots. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça, c'est les tabaots. OK. Maintenant, dans le schéma ici, regarde le schéma qui est là. Voilà les tabaots, dans la réalité. Ah. Tu vois? OK. On faisait rentrer le barrière dedans. Ah. Très bien. Le Haber au tabaot, il faisait trois tfahim. Ah? Le tabaot, il faisait trois tfahim de. Peu importe. Ils peuvent faire trois tfahim, ça ne me dérange pas. Non, mais s'il fait moins que trois tfahim, tu peux les coller plus. Ouais, il n'a rien à mettre, mais je n'ai pas besoin. D'accord. Mais s'il fait trois tfahim, ça veut dire qu'il y a une amant entre les deux. Exact. Il y a une amant entre les deux. Mais si ça fait moins, tu peux toujours les mettre à l'extrémité, il y aura moins. Il y aura toujours ton amant au milieu. Seulement les tabarots ne vont pas se toucher. Très bien. Donc ça, c'est le purouge de Rav Kahana. Rav Kahana, selon les maîtres de Rashi. Donc ça veut dire que selon les maîtres de Rashi, la raison à cause des tabarots, on est obligé de faire ce schéma-là. Le schéma qu'on vient de voir. Rashi n'est pas d'accord, pour deux raisons. Il dit premièrement, le mot adbéré, ce n'est pas ça la kavana. Adbéré, vous savez, c'est quoi? C'est un morceau de bois qui est comme ça. Vous l'ouvrez, vous faites une fente, et avec ça, vous faites glisser à l'intérieur des pages pour un bloc-notes. Un bloc-notes. Vous voyez un bloc-notes, comment c'est? Oui, oui. Voilà, c'est ça, adbéré. C'est quoi la kavana? Là, je vais vous montrer maintenant une petite photo, vous allez mieux comprendre. Voilà, regardez la photo comme là. Comme un briquet. Voilà, regardez, vous voyez là? Regardez là la photo. Oui, oui. Voilà, ça c'est adbéré des safras. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle adbéré des safras. Alors, dit Rashi, c'est ça la kavana. D'accord? Et deuxièmement, ce qui me dérange dans votre pirouche, c'est que si la raison pourquoi on les mettait aux extrêmes à cause des tabarotes, c'est pas obligé. Pourquoi c'est pas obligé? Tu peux très bien faire rentrer une poutre par-ci et une poutre par-là, comme le schéma suivant. Vous voyez le schéma là? Oui, ouais. Décalé. Voilà, tu décales un petit peu et les tabarotes, elles ne vont pas se cogner. D'accord? Donc, ce n'est pas une ochaha. Alors, comment tu proposes d'expliquer, Rashi? Moi, j'explique autrement. Moi, Rashi, j'explique autrement. Adbéré, ça veut dire, comme on a dit, le bloc-note. Tu insères les feuilles et ça se bloque entre les deux morceaux de bois, les deux bouts de bois que tu as fendus. Enfin, tu as fendu en partie, quoi. Pourquoi je dis ça, Rashi? Il dit, quelle est la kavana dans notre Gemara? Quand tu mets les poutres, comme ils sont que sur une largeur de 1, une amas, ouais, et il y a 4 comme ça, il y a 4 rangées. Alors, il y a chaque rangée, il y a 3 poutres. C'est énorme. C'est une amas de largeur et 4,5 de hauteur. Alors, le bassis, ouais, il est trop petit par rapport à la hauteur. Qu'est-ce qu'on fait? On jumelle 2 poutres côte à côte. Donc, ça fait un bassis, une base de 2 amotes avec une hauteur de 4,5. C'est plus solide, ça va moins tomber. Voilà pourquoi on doit les coller, les poutres. Voilà, selon Rashi la Kavana. Les poutres, 4,5, c'est-à-dire 1 sur 1. Chaque anneau, je garde le pirouche de mes maîtres, hein, mais juste j'explique c'est quoi la raison de l'Avkana, pourquoi les poutres, on doit les mettre une à côté de l'autre, pour que le bassis, la base, elle soit plus large, afin que la hauteur ne dérange pas. D'accord? Voilà la différence entre le pirouge de Rashi et le pirouge de ses maîtres. C'est-à-dire, je vais mettre 2, et sur ça, je vais mettre 2 autres, et 2 autres. Oui.
6, alors 6 poutres. Exact. 6 poutres. Ils ont une largeur de 2 amot. Ouais, oui, donc ça va être 4,5. 4,5 et 2 amot. Voilà. C'est ça la raison pourquoi on les met à côté de l'autre. Et pas à cause des anneaux. Vous, vous avez expliqué Rav Kana à cause des anneaux. À cause des anneaux, ce n'est pas une raison. Et c'est à cause de quoi? À cause, je les veux coller pour que j'ai une bonne, une bonne base. Voilà le pirouche de Rashi. Je continue. Mais qu'est-ce qu'il fait Rashi avec les anneaux? La même chose, tu dis que le schéma, c'est le même. Le schéma, c'est le même. Seulement, c'est quoi la raison de ce schéma? Selon les maîtres de Rashi, pourquoi je mets dans une poutre l'anneau de côté intérieur et l'autre poutre l'anneau du côté extérieur? Parce que sinon, les anneaux, ils vont se cogner. Oui. Ouais. Et du, ben, c'est pas une raison, Rashi, ça. Il suffit de décaler, c'est bon. Selon Rashi, c'est pas ça la raison. C'est pour avoir une base plus importante, bien, plus grande. C'est bon. D'accord. Voilà le pirouche de Rashi. Je continue la Gemara. Donc, Amar Afkana Be'at Be'i. La Gemara demande Ad Be'i Echam Manachleu Agaba De'agala. Les Ad Be'i, où est-ce qu'il les mettait? Sur la Agala. Alors, comment j'ai traduit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase-là, a priori, selon Rashi, elle est inutile. Rashi ou les maîtres. Hein. Rashi dit Atinach Side'en ou Bene'en. Reshut Arabim. Et là, Tahtéen, Echiavou, Reshut Arabim. Alors, c'est quoi la question? Je reprends la Gemara, après j'essaie d'expliquer. La Gemara demande Atbe'e, où est-ce qu'il les mettait? Sur la Agala. Mais la Agala elle-même, Agala Goufa, Mekora, Wai, c'est quoi la Vamina de la Gemara? La Agala elle-même, elle est Mekora. Qu'est-ce qu'elle a compris, la Gemara? La Gemara, elle a compris que la Agala, elle était en bas, elle avait un toit, un plancher, pardon. Regardez dans la photo. Elle avait un plancher, comme la Agala suivante. Vous voyez? Vous voyez la Agala là? Il y a un plancher. Et s'il y a un plancher, en dessous de la Agala, il y a un toit. Et s'il y a un toit, ça veut dire qu'il y a Reshut Arabim, il peut avoir un toit. Voilà la question de la Gemara. Et la Gemara répond Amar Shmuel Beyetedot. Il n'y avait pas de plancher. Il y avait des piquets. D'accord? Regardez. Ah bon, la Agala, il n'a pas de plancher. Oui, il n'y avait pas de plancher, il y avait des piquets. Il y avait des piquets. Comment on va mettre les poteaux alors? Regarde, là, s'il n'y a pas de plancher, tu vois, il n'y a pas de plancher. Et les poutres, on les mettait sur le côté de la Agala. C'est-à-dire, il s'affaissait sur le bord de la Agala. Sur les côtés, sur le bord de la Agala. Mais pas sur le plancher. C'est sûr que ce n'est pas sur le. De toutes les manières, c'est pas sur le. Oui. D'accord. Bon, voilà la charla vétalia selon Rashi. Il y a juste un petit souci. C'est que quand la Gemara, elle a dit Adbae, Ramanah, Leo, Agaba, de Agala, ça ne sert à rien pour la question. Elle aurait dû simplement dire la Gemara Agala Goufa Mekora Wai. Et la Gemara répond non, Yetedot. C'est tout. Cette question-là, Tosfot, il va la poser. Mais dans les mots de Rashi, on voit que Rashi s'est intéressé à ça. Regardez les mots de Rashi. Rashi dit Atinah Sideen ou Beneen. Quand la Gemara dit Adbe Khamanah Leu, Agabad Agla, ça veut dire ça va bien, Sidé, sur le côté et entre les poutres, mais à l'extérieur de la Agala, ça tout va bien. Mais le côté, mais en dessous de la Agala, il y a un problème. Voilà comment est la Charla Vétale de la Gemara sur Rashi. C'est-à-dire, même comme ça, il est al-gabéen. C'est ça le problème. Même quand on veut. Même avec ton schéma. On s'en fiche. C'est al-gabéen. Toi, tu as dit, Rav, au nom de Rabbi Hiya, tu as dit, Siden, Benen, Tahten, c'est le Shoutarabim. Ok. Je ne comprends pas.
Ok, Sidem et Benem, tu m'as répondu, c'est très bien. Maintenant, ce qui me dérange, c'est Tahten, Tahata Agala. Mais il y a voilà. Un toit entièrement. Il y a oui, un parce que si, voilà, ok. Et là, il m'a répondu, non, il n'y avait pas un plancher. C'est bon? Ok. Quoi? Voilà, Rashi. Maintenant, avant de continuer la suite de la Gemara, on va faire tous faute. Vous inquiétez pas, hein? De toute façon, il n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Tosfot Tanihal Eman de Amar, le premier Tosfot du Hamoud. Anihal Eman de Amar, Klashim il Matta, Ovian Ama Vekeve, Kalin Volkhinat Kesba. Tu m'as répondu pour celui qui pense que les Klashim sont en triangle, rectangle. Ils vont en diminuant. Eksha Rav Porat. Rav Porat, il demande, mais je ne comprends pas en quoi ça va bien selon lui. C'est encore pire selon lui. Pourquoi? Parce que selon lui, on peut mettre les poutres de cette manière-là. Tu vois là? Un de l'autre, de l'autre, de l'autre. Voilà. Deux triangles rectangles. Ouais, deux triangles rectangles. Quand tu les mets un à l'opposé de l'autre, tu obtiens un rectangle. Ouais. Voilà. Donc tu peux faire six rangées. C'est top ça, tu fais six rangées. Ouais. Et tu vois ou pas, six rangées et tu mets sur chaque rangée deux poutres. Oui, oui. Ça prend tout 12 poutres. Donc chaque épaisseur, c'est une amas. Ouais. Chaque épaisseur, attends. Chaque épaisseur. Oui, chaque épaisseur. Maintenant, l'extrémité de la poutre qui est en face, c'est un esba, c'est un doigt. Voilà. Etc. Etc. En tout, tu n'as pas grand-chose. Voilà, voilà, tu peux disposer comme ça. Et donc, tu n'auras pas du tout tes trois tfahim. Tu n'auras pas du tout tes... bien sûr que tu peux faire la voûte sans aucun problème. Donc, mekora. Donc, c'est considéré comme mekora. Exact. Exact. Donc, reviens à la question. On a en tout trois amot plus trois tfahim, trois esbaot. D'accord. Mais comment qu'est-ce qu'elle te permet de dire qu'on les dispose comme ça? Parce que la Gemara, elle est en train de dire disposer comme ci, comme ça. Ouais. C'est-à-dire, d'où toi, tu sais que ce n'était pas disposé comme ça pour poser la question? Ah, ouais. Ok. Peut-être c'est disposé comme ça. Et donc, ça va le shoot à l'abîme. Ouais. Bien qu'il y a un toit. Reviens à la question. Alors, dans les mots, Ekshara Porat, Ojide Miniha, Valo Kiwan Cholchin Vekalin Adat Kesba, Yecholin et Sader Shishas Darim, on peut faire six rangées au yotel ou plus. Cheyit no Chodo Shelze, Kenere d'Envio Shelze, l'épaisseur de l'un face à l'extrémité de l'autre. Et en tout, ça va prendre l'espace de 3 mot plus 3 esbarot. Et il y aura 11 tefah, d'accord, d'espace. Quand tu fais tous ces espaces-là, ouais, tu les divises dans 1, 2, 3, 4, 5, tu trouves bien moins que 3 tefahim entre chaque poutre. Et donc... D'où ça vient, c'est 11 tfahim, excuse-moi. On a combien, là? On a 3 amot et 3 esbarot. Voilà. Combien je dois faire pour arriver à 5 amot? Pourquoi tu as 3 esbarot? Il y a les esbarot? Parce qu'on a dit que la poutre, quand elle se finit, elle se finit pas avec une pointe, elle finit sur un esbar. Oui. C'est un oui. C'est un oui branlant, ça. Oui, c'est sûr ou pas? C'est, oui, c'est clair. Je vois. Est-ce que c'est clair? Oui, 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 je comprends. Donc, tu as 3 amot plus 3 esbaot. Et l'esba, c'est combien esba? Esba. Par rapport à tefa, par rapport à tefa. Ah, 4 esbaot, c'est un tefa. D'accord.
D'accord. Donc là, on a un peu moins que voilà, trois amot et trois esbanot. Moins qu'un tefar. Combien il me reste? Combien il me reste? Deux amot moins un tefar, à peu près. Hein. Oui. OK. Donc, une amas, c'est 6 tfahim. C'est 12 amot moins un tefar, à peu près 11 tfahim. Oui, OK. OK. Alors, à cette question-là, trois réponses ont été données. Réponse numéro 1. Vetires, Rafporat, Degnayou, la Sim Sada, va au Met Samouk le Kalka, et c'est la Essel, Akasel, Shayal et Mala. Makom, Shayriot, Purusot, Alehen, Vedame, le Aïd, Amen, Marine, Makodesh, et Moridin. Dis-moi, il y a la partie large de une amas. Elle est vers le sol. La partie haute, elle est vers le haut, le Mishkan, la tenture. Eh bien, c'est plus kadosh le haut que le bas. Donc, ce n'est pas kavod de mettre le côté haut face au côté bas. OK. On a déjà vu ça par ailleurs. Il dit comme, comme on dit, Marie, c'est pas que ça arrive aujourd'hui, mais alors là, je ne suis pas bronché du tout. Quel est le problème? Si tu mets le côté épais, c'est le côté qui est côté sol. Le côté pointu, côté épais, c'est le côté sol, oui. Et le côté pointu, c'est le côté tenture. Haut. Oui. D'accord. Yeria. Le côté haut, il est plus kadosh que le côté bas. Oui. Donc, ce n'est pas qu'avant de mettre le côté haut face au côté bas. C'est clair. Et quand tu fais comme ça, quand tu dresses comme on a dit, on a le côté haut face au côté bas. Et ça, c'est pas qu'avant. Oui. Mais de toute façon, quelle que soit la situation, même si on met le côté haut vers le bas, le côté pointu vers le bas, parce que c'est ça que je vais. Mais normalement, c'est le côté haut vers le haut, tu me dis. Le côté pointu vers le haut, toi, tu me dis. Oui, c'est juste. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Oui, moi, je pensais, selon mes... Moi, je pensais le côté pointu, c'est vers le bas, pour que tu puisses les mettre comme un socle. Et tu dis n'importe quoi. Depuis quand tu veux mettre une poutre pointue, tu la mets vers le bas? Comment tu veux qu'elle tienne? Heureusement que je ne travaille pas dans le bâtiment. Allez, on continue. Alors, deuxième réponse. De la Benotam Tires, dès que mon chayou porti notam, mina mishkan, car chayou manihin ala agala, chayta el seldofen a mishkan, qui car chayou en sin belotora, aval le frein ayatol agadol. Rabbi Noutam, il répond de manière technique. Tu sais que si je veux commencer à les tourner, c'est une grande fatigue. Comme ils étaient, on les décharge, on les met. Tac, tac, tac. On ne va pas commencer à les tourner. Si on les tourne, vous m'écoutez là? Voilà. Si oui, oui, tourne, oui, oui. Voilà. Si on les tourne, on va avoir une. On va avoir du tora. C'est pour ça qu'ils ne faisaient pas comme ça. Troisième réponse. Qui t'a dit que depuis la base, ça commençait à se rétrécir? Qui t'a dit? Ouais. Peut-être c'était comme ça. Parce que le passeau, comme on verra tout à l'heure, c'est marqué qu'à l'extrémité, c'était un doigt. Peut-être c'était comme ça. Voilà. Jusqu'à la moitié. Oui, après, il y a un petit doigt là-haut. Et après, ça c'est comme ça. Voilà. Et alors? Donc, quand c'est comme ça, tu ne peux pas faire comme moi. Tu ne peux pas plus proposer comme tu as proposé Rav Porat. Ah. D'accord. Très bien. Vim Thomas, alors regardez dans mon téléphone, là, il n'y a plus beaucoup de batterie. Hein. Aïe, 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 j'allais te le dire ça. Bon, tu ne peux pas le mettre en charge en même temps. Ouais, je ne sais pas. Je n'ai pas de prise pour le moment, mais la prochaine fois, je réfléchirai à ça. Bon. Oui, oui. Moi, c'est la même chose. Regarde. Écoute, après tu parles. Très bien, tu as raison. Je refuse, je pense à ça. Juste j'avance rapidement. Okay.
נילף מן המקורא שבו, ויהיה המעביר על בעמוד בשוט הרבים לקורא חייו. תוסות דמונד, לגמרא, אתה אונטרן דמיורפון רשק פועה, תוסי יען אספס, סצת אספס לה קונג'יק סרשוט הרבים. מסי פינלמנט, דן לרשוט הרבים, יווה אין אנדרואה, où il y a un toit et un endroit où il est vide. Peut-être, qui t'a dit que le Rishut HaRabim, c'est uniquement l'endroit où c'est vide. Peut-être le Rishut HaRabim, c'est aussi l'endroit où il y a la poutre. Et donc, celui qui marche sous un toit dans le Rishut HaRabim, il serait Hayav. Voilà la Kushia de Tosfot. Tosfot répond à la question de deux manières suivantes. Yesh Lomar, Demin Ha'avir Yeshtanu Lilmot, Shidome Yotel Rishut HaRabim. Premièrement, Svara. Ah, c'est plus mistaber de considérer le Rishut HaRabim, celui qui a l'espace libre, plutôt que celui qui est étouffé par une poutre. Svara. D'accord. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Veri Omer, demeachalu yalfinan Rishut HaRabim, elam imachane leviya, kedamlinan le'il, omeachalu yalfinan elah shi'or Rishut HaRabim, dawet et zainama. Répond-lui et dit, écoutez bien. D'où je sais qu'un Rishut HaRabim est un Rishut HaRabim, c'est à partir de Mahane Leviya, comme on a vu la dernière fois, il y a deux jours. Mahane Leviya, il n'y avait rien. En haut, il y avait le ciel. C'est pour ça qu'il y a un toit, ce n'est pas Rishut HaRabim. Ah, tu vas me dire, c'est quoi, quel rapport avec le Hagalot? Alors, pourquoi tu parles des Hagalot? Dans les Hagalot, on a appris la largeur minimale d'un Rishut HaRabim, comme on verra Be'ezrat Hashem vendredi. Le prochain daf, on verra ça. D'accord? Comme. Non, c'est Raymond. Alors, comme dans la largeur, tu définis la largeur par rapport aux Hagalot, comme on verra Be'ezrat Hashem, il faut au moins qu'entre les Hagalot, il y a du Rishut HaRabim. Ce n'est pas de eux que j'ai défini le Rishut HaRabim. Ce n'est pas des Hagalot. Le Rishut HaRabim, je l'ai défini en fonction de Mahane Leviya. Mais il faut qu'entre les Hagalot, tout le là, j'apprends la largeur de 16 Amot. Ouais. Que ça soit, qu'il y ait du Rishut HaRabim. Sinon, tu n'as pas le droit de définir la largeur de Rishut HaRabim en fonction de la Hagalot. Point. Comment j'ai répondu à la question? C'est quoi ta question, toi? Pourquoi ne pas dire que sous les poutres, c'est ça que ça s'appelle aussi le Rishut HaRabim. Mais je n'apprends pas des Hagalot le Rishut HaRabim. Le Rishut HaRabim, je l'apprends de Mahane Leviya. J'apprends le Mahane Leviya, j'apprends. Et pour que je puisse apprendre à partir de la largeur, il faut que dans cette largeur-là, il y ait du Rishut HaRabim. C'est tout. Voilà la réponse de lui. Très bien, prochain Tosfot. Au prochain Tosfot, je vais relire toute la Gemara selon Rabbeinu Tam. Il va tout changer à la Benouta. D'accord? Mais juste, je vais essayer de vous obtenir une photo, parce que c'est si vous avez la photo, tout ira bien. Voilà. Alors, je reprends, je fais Tosfot. At be'e echa manachleu, agaba de agala, agala mekorai, piresh rashi, de salka da'atar, si agala ita mekora. Il y a un silouk da'at. Ouais, le marché il a compris que la Hagala elle avait un plancher. Alors, il dit, je ne comprends pas pourquoi Tartéen, c'est un Rishut HaRabim. Il y a un plancher, il y a un toit. Voilà, selon Rashi. Il y a un Silouk HaDa'at comme ça. Tosfot demande, Vetema, lama ya sova lo market. Pourquoi il a cru ça, le marché? Pourquoi le marché il a compris qu'il y avait, il a pensé qu'il y avait un plancher? Il y a quatre questions. Deuxième question. Pourquoi? Mais c'est logique, c'est le Svara notent kacha de toute façon. Svara notent. Ouais, mais j'ai pas besoin. Je vais quoi? Je vais m'asseoir dessus, moi? Je vais mettre la marchandise dessus? Oui. Non, je vais pas mettre la marchandise dessus. La marchandise qui sont les poutres, je vais les mettre sur la bordure de la Hagala. Donc ça, la question de la Benoutam, de Tosfot. Donc question numéro 1. Question numéro 2, je crois qu'il y a 3. ועוד, דבכל ספרים קרסינן, את בעי איכה מנחלאו, אגבה דעגלה. מה לא להזכיר? להזכיר, את בעי באח את קפתא. לא אבלי לממרא לה, העגלה, מקוראי. סנסירה קיסון קונה פוזי אוסי, קונה פוזי לגמרא. וואלה. אתה פרלה פורי אנג'יה.
Troisième question. Rashi, tout ça, tu remontes en haut cette fois-ci. Ça a été Gores Bedarata. Qui est Marav Bedarata. L'entre deux planches. Ouais. Et tout ça, tu dis, vous prenez la soirée, Garcinal, Bedaratata. Bedaratata. La première rangée, la rangée qui est tout en bas. Supérieure. Rangée, Dara, rangée, Tata, intérieure. Basse. Olfi Girsato, Nami, en Alachon Mashma, Ben Ashurot, Kemoshi Piresh. Et même la Girsa de Rashi, c'est pas Mashma comme son explication. Même si tu veux être Goles Bedarata, c'est pas l'entre-deux planches. C'est l'entre-planche, c'est pas l'entre-deux planches, c'est les rangées de planches et pas l'entre-deux planches. Ok, voilà les questions, 3-4 questions contre. Alors qu'est-ce que tu veux, Tosfot? Tosfot dit je veux relire la Gemara, je vais tout changer. D'accord, je reprends maintenant la Gemara selon Tosfot. Venira le Rabbeinu Tam, Kemosh Pirush Rabbeinu Hananel, Bedara Tata, Pirush Beshura Rishona. La rangée qui est tout en bas, qui est donc la première rangée. Shadai lohiniyah ala gala ela karashim atartim bilvad. Shena mekora kula. Sheyesh rewah ben ashurot kedem faresh. Vas-y. Ava kishem sader shurash nia o sheshit. Nistam ha avir sheben ashurot. Shelo ayu yocholim yot mechuvanim. Ula siman ze alze beshave mamash. Ela kol echad kapolet lachus. Ad she nistam kol avir kemo beharia halga belevena. Ouais. Ah, évacué. Alors explique Tosfot, regardez, Tosfot il explique et qu'il dit écoutez-moi bien. Quand la Gemara tout au début elle a répondu Rav, t'as dit que sous les Agalot il y avait, c'était un Reshut Arabim. La Gemara dit tu sais de quoi je parle, sous la première couche de poutre. Avant voilà. Même que tu ranges, avant même que tu mettes les autres couches, parce que si tu vas mettre les autres couches, ça va être Mekora. Tu vas avoir tout Mekora. Regardez comme le schéma suivant. Oui, oui. Vous voyez là, si tu mets les poutres comme ça, tout va être mécoré. C'est la raison pour laquelle on parle que de la première couche de poutres. Très bien. Alors, dit l'Agmara. Alors, c'est quoi la suite de l'Agmara? Mais même si tu prends que la première couche, on va dire la voûte. Mm-hmm. Que tu dises qu'il y a 3 qui sont déposés sur la largeur ou 4 qui sont déposés sur leur épaisseur, on va dire la voûte. Sur ça, Rav Kahana, il a répondu Amar Rav Kahana be'at be'e. Ouais, c'est quoi la réponse? Regardez Tosfot. Om Shane. Amar Rav Kahana be'at be'e. Regardez, ça, il faut que je vous montre la photo, ça va être plus simple. C'est quoi Be'at Be'e? Klomar. Afalgav de l'okamar Ella. Bien qu'on n'a pas dit Ella, tout ça, tu dis, c'est pas grave. On ne dit pas Ella quand il n'y a pas eu un Amora avant ça. D'accord? On va changer. On va pas dire comme on a dit en haut. Afalgav de l'okamar Ella, Adarbe, de Wadai Keshiyesh Krashim à la Gala. C'est sûr, tu as raison. Si y a les Krashim, si on a déjà mis les poutres, Tahata Agala, ça ne s'appelle pas les Shout Arabi. Tu as raison. Et là, qui kamar d'avoir le shoot à l'abîme, quand il a dit que c'est le shoot à l'abîme, be'at be'e, she'en à la gala et la at be'e grida, il n'y a que les at be'e. C'est quoi les at be'e? Pirouche at be'e, shne aissim ne kouvim, bishne rachem. Ce sont deux planches qui sont trouées à leur extrémité. Le torvin otan à la kondisin, on les enfonce sur des piquets. Aromdim bishne sidé agala qui se tiennent dans les deux côtés de la agala, les rabats dans la largeur, les fané ou la khala devant et derrière. Kedesh elo yuplu akrashim. Pourquoi ils sont là? Pour retenir les krashim et qu'ils ne tombent pas une fois qu'ils sont disposés. Regardez, vous allez mieux comprendre. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous voyez les atbéré? Ça, c'est les atbéré. Ils sont là pour retenir, ce sont des planches qu'on met sur la gala pour retenir les planches du Mishkan et qui ne tombent pas une fois qu'on avancera avec. Vous voyez, ça c'est l'Atberé. Et regardez juste en dessous, il y a ce qu'on appelle des Yétédotes.
Voyez les tédot. Tout en bas, voilà. Atbéré et yétédot. Maintenant, je reviens. Et la Gemara pose donc le Tohavin otan à la condition en dit Mishne Sidé Agala le Rochba les Faneh ou la Chare Akedin je le plus Akrashim. Pour le fils Shelon Iskar et pas comme on n'a pas cité un Amora en haut, un derech Hashas Lomar Ella. D'accord? Pourquoi on n'a pas dit Ella? Bien qu'on a changé. Avant on a dit qu'en dessous les planches c'était le Shutarabim et maintenant on ne dit plus en dessous les planches. C'est en dessous quand les Atbere que s'appelle le Shutarabim. Au Paris, la Gemara, l'objet, c'est quoi la Gemara, la suite de la Gemara? Atbeh, manachleu, agabade agala, ça veut dire quoi? Quand est-ce que tu mettais l'atbeh? Une fois que tu as chargé complètement, mais une fois que tu as tout chargé en tout la agala, c'est plus le shutarabim, parce que c'est tout toi t'es. C'est ça la question de la Gemara. Achal, shinat no akrashim, shinto akrashim, al agala, notin alem atbeh itabarot, ou miskarot, que les prechit le fané ou la haréa, que des shiachzo akrashim, veaz, kvar agala mekorai. Et la kara mekorai, enlève le mot goufa, il ne sert à rien ici. Et sur ça, Shmuel y répond, Amar Shmuel, beitedot, beyetedot. Pirouche, atbe'e de ka'am à Ravkana. Quand Ravkana il a dit atbe'e, ce n'est pas ce qu'on a dit nous. L'otan aïsim kovim amesimim le roch ava gala kede pirchit. Et là, beyetedot, pirouche, shne aïsim arukim. Ce sont deux bois longs. C'est que moi, quand nous vivons autant bichner la chaîne, venons tirer la condition, les regalas, etc., etc. C'est quoi? Les étendards, c'est ceux-là. Regardez. J'ai vu, oui. Regardez, très simple. Ceux-là, ceux-là, là. Oh. Voilà. Et en bas, ils sont dans la gala comme ça. Voilà. Ça, c'est les étendards. Pour ne pas que les roues, quand tu mets les planches, ça touche les roues. On mettait des yétédotes comme ça et on déposait les planches sur ces yétédotes-là. Point. Les yétédotes, ça veut dire les AB. Encore une fois? C'est AB, non? En fait, c'est le cadre. Les yétédotes, c'est en fait le cadre. Point. Manu, ce qui n'est pas clair, c'est pour l'instant, on est en train de dire que ce qui est en dessous du cadre, c'est Réchout à l'abîme. Sous la Hagala, tout ce qui est en dessous de la Hagala, quand il y a l'Yétédot, quand on est encore à l'étape où il n'y a que l'Yétédot, c'est à ce moment-là que c'est Réchout à l'abîme. Tu veux dire que le cadre? Le cadre. C'est à ce moment-là, en dessous de la Hagala, c'est Réchout à l'abîme. Mais une fois qu'on aura mis les poutres, tu as raison, c'est plus un Réchout à l'abîme. Très bien. Ok. אבל רבינו חננאל מפרש דדבי משמיה דרב כהנא ונראה מדוק אמר אלא ועוד דרך היה טועה רב כהנא דהיין רגילות להניח את הבעיה עד לאחר ציינה תוספות ירפות כרבינו חננאל פנס כשמואל אילה שנג'ה דה רפונס פרפו רב כהנא אלא כתוספות פנס כשמואל אילה אקספליקי רב כהנא דקור ספוטה כמו נפג'י אלא אלא כתוב רבינו חננאל שמואל דנות רפונס פרפו רב כהנא תוספות ילמפס פרומיימון נורא ג'יר אלא. Et deuxièmement, comment tu veux que l'Afkana il se trompe? L'Adber, on ne met qu'une fois qu'on a entièrement chargé la Hagala pour ne pas que les poutres tombent. Donc, ce n'est pas Mistaber. Alors maintenant, on n'a plus vraiment besoin de... On n'a plus vraiment besoin de photos. Hein. Ok. Alors, tu rentres dans l'ordinateur. Je rentre dans l'ordinateur. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de... De... Ça, oui. De batterie. Ok. C'est bon? Très bien. Allez. On tourne la page. Tanoura Banan. Tarashim mil matan revient à ma. Mil malan kalin volchim. עד כאסבע. שנאמר, יהיו תנים על ראשו. יהיו תנים על ראשו.
Alors, Oulala Noomer, Tamouni Khretou. On n'a pas eu faire café aujourd'hui, hein? Rabbi Yehuda. Alors, on a une braïta, Mahlok et Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, comment étaient les poutres? Selon Rabbi Yehuda, les poutres étaient en triangle, comme on a dit tout à l'heure. Okay. Rachid et Matan reviennent à Ma. Sur leur base, il y avait une épaisseur d'une Ama. Et vers la hauteur, il y avait, c'était fin comme un Esba. Comment je sais ça? C'est marqué dans la Torah, Yutamim al-Rosho. Tamim al-Rosho. Il faut que à l'extrémité haute, eh bien, ça soit Tamim. C'est quoi Tamim? Il y a un autre passage où c'est marqué Tamu Nichretu, éliminé. Nichrat. Ah. Ouais. Donc, ça veut dire plus rien. Que un Esba. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Nehemia Omer, Keshem Shemil Matan, on vient à Ma, Karmil Balan, on vient à Ma. Shne, Ma, Yahdaou. C'est marqué Yahdaou. Ça veut dire qu'ils sont égales. Égales de bout en bout. Moi, la Gemara va artir Tamim. Qu'est-ce que tu fais avec le mot Tamim? Aou, de l'étouche, les mimes, velo l'étou, de Nisra. Ça, c'est pour te dire que tu ne peux pas faire une poutre en étant la composition de deux poutres. C'est-à-dire, tu colles deux poutres pour obtenir une poutre. Tu ne le fais pas par morceau. Il faut que ce soit un bloc entier. Lo l'étou, de Nisra. Veidach, nami active Yahdaou. Selon celui qui dit que c'est un triangle, qu'est-ce qu'il fait avec le mot Yahdaou? Aou, de lo l'ichel chofin ou me'adadé. Ça, c'est pour t'apprendre qu'il ne faut pas qu'il soit. C'est-à-dire chevauché. Ouais, ça veut dire un, il rentre, une poutre qui est là, une poutre qui est là, une poutre qui est là. Ça veut dire qu'ils sont un peu décalés l'une par rapport à l'autre. Il faut qu'ils soient jumelés, vraiment de manière rectiligne. D'accord? Très bien. Jamais été bon en géométrie, hein, moi. D'accord, il faut être bon en tout. Voilà. Bish la mal emand la mal keshem shemil matan ovien ama kach mul malan ovien ama. Aïe, nous dirti, vous voulez que t'aimes, mishkan, yamata, c'est chichar kalashim. Selon celui qui dit que c'est un rectangle. Alors, je comprends ce que la Torah, elle dit, que au lieu qui était sur le flanc du mishkan, il y avait six poutres. Je n'ai que la chim, t'as assez l'une consente, et deux poutres à l'extrémité. En tout, huit poutres. Il y a ti poutia d'année, mais malélé le subra d'année. Va venir l'épaisseur de celle-là, la largeur de celle-là, pour couvrir l'épaisseur de celle-là. C'est quoi tout ça, là? On ne comprend pas très bien. J'explique. Peut-être j'aurais dû encore garder un petit peu. L'intérieur du Mishkan, ouais, il y avait 10 amot. La longueur du Mishkan, il y avait 30 amot. D'accord? Après les 10 amot de la largeur, il y a les poutres dans le nord et dans le sud. Ces poutres-là, elles avaient une épaisseur de une amma. Maintenant, du côté ouest, il y avait 6 poutres plus 2, une par là et une par là. Les poutres étaient disposées, une amma et demie de largeur, donc 6 fois 1 et demi, combien il me reste? Combien j'ai? 9. 9 amottes. Il me reste à couvrir encore une amma. J'ai encore 2 poutres aux extrêmes. Ces deux poutres, elles faisaient une amma et demie. Donc, les demi-amas par là, la demi-amma par là, ça me fait 10 amotes. Oui. L'amma restante correspond à la amma de l'épaisseur des poutres qui sont au nord et au sud. C'est clair? Non. Non. Ça, c'est une amma. Ça, c'est une amma. Non, j'ai compris jusqu'à là. C'est-à-dire. Maintenant, ici, j'ai compris jusqu'à 9. Alors, une fois que j'ai 9. Il me reste 2 poutres aux extrêmes. Une poutre voilà. De chaque. La largeur de chaque poutre. Et la main bahet. Combien j'ai en tout? Donc 11. On a donc 12. Oui. Maintenant, j'ai 10 à l'intérieur. Oui. Et une amas par là, une amas par là, c'est que ça correspond à la largeur des poutres qui sont au nord et au sud. C'est ça que je n'ai pas compris. C'est leur mala correspond à la largeur de. Non, à l'épaisseur, tu veux dire. À l'épaisseur des poutres qui sont dans, du côté nord et du côté sud. C'est bon. Non? C'est clair, non? Il n'y a rien. Là, ça y est, c'est clair. Si tu dis largeur, on ne comprend pas. Si tu dis épaisseur, on comprend. Oui, épaisseur. Mais de l'autre côté, il y a aussi un salamote, non?
Non, rien du tout. Si j'ai 12 amotes, ouais, si oui. J'ai 12 amotes, je vais mettre les poutres du côté nord. Qu'est-ce que je fais? Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Allez, vas-y. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends une poutre et je la colle. Je la colle à la dernière poutre du côté ouest, n'est-ce pas? Oui. Je la colle. Combien j'ai couvert de la poutre ouest? Combien j'ai couvert? Une amas. Une amas. C'est une amas d'épaisseur. Bon, ok. Prends un feutre, un stylo, un crayon, un stylo, tu verras. Pas compliqué. Normal. Ok. Donc, dis la Gemara selon cette opinion. Ça veut dire que la longueur. Manu, ça veut dire. N'embrouille pas. Si tu as compris, c'est bon. N'embrouille pas. Amos, voilà, ça y est. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a 12 amotes, en réalité, il y a 12 amotes de l'extérieur et il y a 10 amotes de l'intérieur. Très bien. Ok. Très bien, c'est très juste. On continue. Donc, dit la Gemara, selon cette opinion, je comprends bien. Et là, les mains de Amar, Milmatan, reviennent Amar, Milmalan, Kalin, Volchin. Selon Rabbi Yehuda qui a dit que les poutres étaient en triangle rectangle. Oui. Triangle rectangle du côté du Mishkan, du côté intérieur, ils étaient rectangles. Et d'autre côté, il penchait comme ça. Du côté extérieur, ça penchait, vous voyez. Selon cette opinion-là, j'ai un souci. C'est quoi le souci? C'est les coins. Al-Kesba. Aïe, aïe, lui, aïe, nafik. Celui-là, il rentre et celui-là, il sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regardez. Vous voyez, là? Ça, c'est la poutre du côté... Du côté ouest, elle est comme ça. Alors, la poutre du côté nord, par exemple, elle va être comme ça. Donc ici, ça sort. Tout ce coin-là, il sort. Vous comprenez? Le côté est, le côté ouest, c'est plat. Ça va jusqu'au bout. Et le côté nord ou sud, comme la poutre, elle est penchée, elle va, ici c'est plat, et ici ça va être comme ça. Comment? Hop, ça va être comme ça, oui, ça va être comme ça. Bon, je vais essayer de vous donner une photo, je crois que c'est mieux. On va essayer de voir si ça tient. Alors, ok. Vous êtes avec moi là? Oui. Alors regarde. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. La partie que je n'ai pas compris d'abord. Regarde. Tu as 10 amotes du côté oui. Intérieur, une amas, et cet amas-là, qui sont de chaque côté, ça va être l'épaisseur des poutres qui sont au nord et au sud, tout simplement. Oui. Ok? Oui. Bon, tu vois, il n'y a rien à comprendre, hein, c'est simple. Maintenant, attention, une seconde. J'essaie de voir. Voilà, si tu veux un peu mieux, c'est ça. Tu vois là? Oui. Alors maintenant, j'essaie de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous... Je ne sais pas s'il y aura une photo sur ça. Quoi, ils n'ont pas fait? Attendez, hein.
En fait, ils ont pas vraiment fait la photo, mais voilà, c'est ça le. Ce qu'on appelle pas de photo. Voilà, regardez, vous voyez là en bas, la poutre à droite, genre voilà, ici. Elle va aller jusqu'à, vous voyez, elle va sortir complètement. Et la poutre qui est au nord, elle se finit là où il y a le Aleph. Donc, il y a un espace entre le Aleph et l'extérieur qui n'est c'est pas homogène, vous voyez. Vous voyez ou pas? Bon, il faut avoir un peu d'imagination, ils n'ont pas fait la photo correctement. C'est là où il y a les flèches, ouais. Non? Là, le Aleph, c'est là où il y a la pointe de la poutre qui est au nord. C'est la largeur, c'est la pointe. Le bet, c'est la pointe de la poutre qui se trouve à l'ouest. Et donc, vous imaginez, ça fait un peu tordu, là. Ça fait un peu tordu. Quand vous allez mettre le haut et la tente, ça fait un peu tordu. Ça, c'est la question d'Agma. Et l'Agma répond, effectivement, on va raser toute la partie bet de telle sorte à ce qu'elle soit bien parallèle à la partie Aleph. Ouais, c'est ça la réponse de l'Agma. Ça veut dire, regardez dans la photo qui suit. Voilà. Enfin, ça va être comme ça. Vous voyez là, la poutre, elle est censée être comme ça. Non, c'est pas vraiment ça. Ouais. Voilà. La poutre est censée être comme ça. Ils vont la réduire de telle sorte à ce qu'elle soit, elle soit parallèle, elle soit bien homogène avec la poutre qui est au nord et au sud. Bon, je ne sais pas si ça avance beaucoup, mais c'est ça la Kavana. Ok, bon, il me reste 1%, donc je quitte. Alors? Voilà. Voilà. Je continue. Donc, répond la Gemara, Teshafile, Okitore. En fait, la partie qui dépasse du côté ouest, eh bien, on va la frotter et l'éliminer comme une montagne. Mais la montagne, comment elle est comme ça, la montagne. Là aussi, on va faire comme ça. Quoi? On continue. Vaberia Hachichon Betocha Kerashi. Il y avait le Beria. La planche de bois qui pénétrait à l'intérieur des poutres. Ouais. Alors, le Tanan nous dit Beriach Atichon Betoch HaKerashim Tana Benes HaYaomed. C'est quoi Benes HaYaomed? Ce n'est pas par miracle que ça tenait. Comme explique Rashi, c'est Benes, il pénétrait les trois côtés, nord, ouest, sud. C'est impossible. C'est impossible. Tu prends une poutre, tu l'enfonces sur les 20 à l'intérieur, tu fais un trou dans les 20 poutres du nord, tu introduis donc une planche comme ça à l'intérieur de ces 20 et ça va tourner. Ça va tourner du côté ouest et après ça retourne du côté sud. C'est impossible. C'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. C'est ça ce qu'on dit, c'était Anes. Benes Ayaromed. Alors, Tosfot, ils disent que la Gemara chinoise est choléket sur la braïta du Melechet HaMishkan. Il y a une braïta du Melechet HaMishkan. Et cette braïta là-bas, elle dit que ce n'est pas Benes HaYaomed. Omeri, d'achat de Kamal, Shibriya, Hachichon, Ayam, Mesavev, Shlosh, Lohot, Liga, Braïta de Melechet HaMishkan. Pourquoi? D'achat de Kamal, Shelo, Ayanes. Là-bas, on dit que ce n'est pas un miracle. Et là, Ayusham, Hamisha, il y avait 5 tiges. Naim, les malas, ouais. Il y avait deux en haut, un qui va jusqu'à la moitié, l'autre qui va de la moitié jusqu'au bout, la même chose en bas, et un qui allait de bout en bout, mais que le côté nord, c'est tout. La même chose du côté sud, et la même chose, d'accord. Ehad matchil mitchilat olecha mishkan ad chesio, vashini matchil misham va'el achad sof aruach, vechen lemata, ayu shne brechim kaze. Il allait d'est en ouest, traverser tout le nord par exemple et tout le sud. Il ne tournait pas autour
les trois rouchot. On ne dit pas qu'il y avait plusieurs berichim. Il y avait plus, j'ai pas compris. Où tu es là, la Gemara ou la Braïta? La Gemara. La Gemara, c'est le berich atichon d'Arpa, il rentrait à l'intérieur, il faisait tout le tour. On n'a pas parlé des autres berichim. Ah, ok. Alors, petite agdama pour qu'on comprenne rapidement ce qu'on va faire dans la suite. Ce n'est pas compliqué du tout. Là, vous savez que Farshim m'explique que quand vous voyez un Inyan développé dans une maserhet, c'est que le Inyan et la maserhet, cette maserhet, ils sont liés. Quand par exemple, le Khorban Abayit, ouais, on en parle dans quelle maserhet? Maserhet Gitchin. Ouais, Gitchin, c'est le divorce qu'a vient Khol. D'accord? Alors, la même chose dans Gitchin, on parle du Khorban Abayit, de Baruch Hu se fâche contre l'Am Israël. D'accord? Alors là, dans quel rapport on parle beaucoup du Mishkan, on décrit le Mishkan, parce qu'on apprend les Mlachot de Shabbat à travers le Mishkan. D'accord? Gentil. On n'a pas entendu ça. Alors, les Yeriot. Donc, les Yeriot, il y a, on va parler maintenant de deux Yeriot. La première, Yeria, et la deuxième Yeria qui était en poil de chèvre, Aizim. Yeriot Aizim. Alors, celle qui était en dessous, la première, elles étaient faites à partir de bandes longues de 28 amot, larges de 4 amot. Il y en avait comme ça 10. Il y en avait 10 comme ça. D'accord ? Ça fait en tout que j'ai une large, une si je somme toutes les largeurs, ça me fait 40 amot. D'accord ? Allez, ferme la pensée. Maintenant, deuxième Yeria. Aizim, eux, ils étaient longs. Chaque Yeria était longue de 30 amot. Et elles étaient larges aussi de 4, mais il y en a 11. Pas 10, mais 11. Ça fait en tout 44 et 30. 30, 44, si tu les colles. Il y en a 3. On y va. Veta Mishkan, ta CRS et l'Iriot. Or, le Yeria, Hat, Shmoné, Vesim, Bama. La longueur d'une Yeria, c'était 28 amot. Shadi Urkay ou le Putia des Mishkan, mais la longueur dans la largeur du Mishkan, Kamaouya, Obeya, Aesrin, Vetamne, 28. Dal Aesr Leigra, le Mishkan lui-même, pour le toit du Mishkan, il y avait 10. Comme on a dit, il y a 10, n'est-ce pas? Combien il y a de chaque côté? Hein? 28, alors ça fait 9 de chaque côté. 9 et 9. 9 de chaque côté. Pas sur les hauts, tchal aïgisa, tchal aïgisa. Les Rabbi Yehuda, Migaya, Madadani. Selon Rabbi Yehuda, que les planches étaient triangles. Alors, ça va descendre, ça va couvrir 9 amas de la planche. Il restera une amas des socles. Une amas, puisque là, le socle faisait une amas. Et le socle, il s'emboîtait dans les 10 amas de. Ça veut dire. Le socle faisait une amas. La poutre, comment on faisait? On coupait Hasiyama au milieu, avec une profondeur d'une amas. Et après, selon Rashi, si tu mets un socle comme ça, il y a un problème. Pourquoi? Parce que le socle d'un côté, il y aura un espace vide entre les deux. Et nous, on veut que les poutres soient collées, jumelées bien comme il faut. Donc, on creusait aussi dans la planche, dans la poutre, l'épaisseur sur le côté, l'épaisseur du socle. De telle sorte que quand je mets les deux socles dans une poutre, eh bien, ça prend. Ça, on est dans la bonne. De bout en bout, on est dans la largeur de la poutre. D'accord? Voilà la kavana. Maintenant, si j'ai 9. Ça sort quoi? Ça sort que je vais avoir 9. Amot de hauteur où je vois le bois et je vais avoir une amas où je vois le socle qui était fait en argent. Hein.
Ça, là, ça sort comme ça. Donc, quand j'ai 9, c'est un peu moins. 9, qu'on appelle ça, la yiria, elle s'étend sur 9. Je vais voir quoi essentiellement? La hama des socles. Selon la bioda, 9 de chaque côté comme ça. Donc, il reste une hama de chaque côté. C'est ça, la kavana de la gmara. Où est Rabbi Nehemia? Allez, dites-moi, selon Rabbi Nehemia, qu'est-ce qu'on voit? Puisque l'intérieur du Mishkan, c'était 10. Après, il y a l'épaisseur de la poutre. C'est combien? Une amma, une amma. On est à 12. Combien il me reste? On est à 28. Il me reste 16. Donc, 8 de chaque côté. Donc, je vois une amma de socle plus une amma de poutre. D'accord? C'est ce que la Gemara dit. Rabbi Nehemia, Migal ya amma de Kadashim. À part la hama des socles. Shadi Poutaï ou le Holka de Mishkan. Maintenant, si on va parler dans la longueur du Mishkan, combien il y a? Arbaïn. Si je colle toutes les Yeliot, il y en a 10. Donc 4 fois 10, 40. Dash Latin les Igra. Enlève 30 pour le toit. On a dit que la longueur du Mishkan était de 30. Pachale ou Asara. Il reste 10. 10. Donc, selon la bioda, ça va couvrir même la Hamad et Adanim. La Rabbi Nehemia, Migal et Hamad et Adanim. Mais selon la Rabbi Nehemia, comme l'épaisseur de la poutre est d'une Hamad, on perd une Hamad en route. Donc, la Hamad et Kalashim va être couverte, mais la Hamad et Adanim va être découverte. Point. Ça, c'est la première Yéria. Deuxième Yéria. Vasi ta Yériot Aizim le Oel à la Mishkan. Acheter un seul yiriot, t'as assez au tam. Or, le chayriya ahat, sheloshim ba'ama. La longueur de la yiriya était 30 ama. La largeur, 4. Il y en avait 11. Shanti urkayou le poutia de Mishkan. Mets la longueur sur la largeur du Mishkan. Kama ouyan, platine, j'en ai 30. Dala esel la yigra, enlève 10 du toit. Pachalou a esel la yigisa, ou a esel la yigisa. Il me reste 10 de chaque côté. Le rabbi Ouda. Je vais couvrir même la Hamad et Adanim. Mechas ya Hamad et Adanim. Le Rabbi Nehemia, Migaila, Migalia, Hamad et Adanim. Sur le Rabbi Nehemia, je perds une Hamad de chaque côté à cause de l'épaisseur de la poutre. Donc, je vais avoir comme découvert la Hamad et Adanim. Tanya le Miachim, Breta qui va dans le même sens. Va ma mise Barodef, surplus. Les chassot amash la danim, qui va rabbiner Yehuda, la deuxième tenture, ouais, le deuxième yéria, elle va couvrir en plus la hamad et adanim, selon la Yehuda. Et la rabbiner Hamia va couvrir en plus la hamad et kalashim, et la hamad et adanim va rester découverte. D'accord? Point. Le rabbiner Hamia, rabbiner Hamia, mais les chassot amash la kalashim. Point. Maintenant, Shadi Poutayou, maintenant on va parler de la largeur. Shadi Poutayou, le holke de Mishkan. Si tu mets la largeur dans la longueur du Mishkan, la largeur de Yeliot dans la longueur du Mishkan, combien j'en ai? J'en ai 11. 11 fois 4, 44. Kama ouya arbaim verba. Dalt latin l'ekra. Enlève 30 du toit. Combien il me reste? 14. Passez-le arba. Dalt tarte le kafla. Enlève 2 amot pour le kafla. C'est quoi ça? Dirti, le kafalta et aïria shishit et moulpene oil. La aïria shishit. Eh bien, la moitié, il faut la plier du côté Mizrah. Du côté Mizrah, là où il n'y a rien du tout. Ouais, comme une cala, vous voyez. Donc, j'ai 2 amotes ici. Il me reste combien? 14 moins 2, ça fait 12. Pachale ou tartesre. Bish la malé rabi oudaï, nous tirtif chassiré, ardef et tisra, harachol et mishkan. Selon la bioda, je comprends. Qu'est-ce qui va rester derrière le mishkan? Il y a 10, donc il y a 2, 30, ça fait 32. 10, pour couvrir jusqu'au Mishkan, 42, et 2 par terre, qui sera à Chachola Mishkan, ça va traîner derrière le Mishkan, il y a 2 amot. Et combien, comment c'est marqué dans la Torah? Hasi Ayriya, la moitié d'une Ayriya, l'Ayriya fait 4, la moitié d'une Ayriya, ça fait 2. Ah, je comprends le passage quand il dit Hasi Ayriya en défaite, qui sera à Chachola Mishkan. Le pasouk, il est mouvan. Tov.
Et là, le Rabbi Nehemia, Maïk Israël, selon Rabbi Nehemia, il n'y a qu'une seule amas qui est par terre. Il n'y a qu'une seule amas qui est sur la Mishkan. Et pour l'Akbarat Israël, mais Havrotea Israël par rapport à sa copine. Ça veut dire, explique Rashi. Hasia Iria Sroha me Havrotea Amami Mena le Chasota Adanim ve Amma Nigrere. Il y a une amas qui va courir la Adanim. Et une amas qui traîne par terre par rapport à l'autre qui remonte deux amas au-dessus. Celle du dessus, elle couvrait jusqu'à l'amas d'Adanim exclue. Maintenant, celle-là, par rapport à l'autre, mais Havarta, peut-être, il aurait fallu dire, peut-être, eh bien, il y a deux amas, une qui couvre l'Adanim et une qui traîne par terre. Quoi ? Tanat vire bishmael, l'amas mishkan domé, l'amas mishkan domé, à quoi le mishkan ressemble ? L'isha shemalech et bashouk, le shipulea me'alchina harea. Une femme qui marche dans le chouk et les pans de son vêtement traînent au sol derrière elle. Là aussi, dans le Mishkan, il y avait des yiriot qui traînaient derrière le Mishkan. Voilà. Tanoura banan, harousin ayu krashim, va haloulin ayu adanim. Les krashim étaient harousim, ça veut dire on les a creusés. Pourquoi on les a creusés ? Comme vous voyez dans votre schéma que vous avez dans l'Agmara, afin de pouvoir les insérer dans les socles. S'imbriquer. Voilà, harosim, c'est-à-dire qu'ils étaient creusés, comme Rachid expliquait, non pas uniquement au milieu, mais même au contour pour pouvoir insérer le socle de telle sorte à ce que les krashim ils sont bien jumelés sans laisser aucun espace. Et les halalim étaient vides, ça veut dire à l'intérieur c'était vide, pour pouvoir insérer les dents qu'on a creusées, d'accord, dans les krashim. C'est un autre sujet, comme dit Rashi. Vous savez que quand on a, par exemple, on avait 10 yeliot, bien 11 yeliot, ouais, qu'est-ce qu'on faisait ? Il y a 5 yeliot, on les cousait ensemble, et les 5 autres, on les cousait ensemble. Bien 5 et 6, d'accord ? Ensuite, on faisait dans les extrémités des 5 et des autres 5, on faisait des loulaot, des boucles de chaque côté, et on mettait des agrafes afin d'attacher les deux boucles une en face de l'autre. Donc, hamishim loulaot, il y avait hamishim des loulaot, makbilot à loulaot, isha al achota, une en face de l'autre, et tu mettais des krasim, d'accord, pour pouvoir les attraper. Les krasim, quand on les voyait, dit le Tana, venir in krasim baloulaot, kekochavim barakia. On les voyait comme des étoiles dans le ciel. Ils étincelaient. Point. On a fini le daf, juste il reste un petit tosot qu'on n'a pas fait. Tosot, ils disent à chaque fois, tosot, ils disent que dans la Gemara, on voit à chaque fois on dit qu'à chaque fois il y avait à l'intérieur du Mishkan 10 amot. Ça dit qui t'a dit ça? Dal asara le igra bekulash mata amar de rochav Mishkan 10 amot. Dans toute la Gemara on voit que la largeur du Mishkan c'est 10 amot. Kasher leri de mena le la shasa. D'où la Gemara elle sait ça. Dilma, le Mishkan aya rochbo yud alef ama. Peut-être le Mishkan, il avait une largeur de 11 amot. Ve akrashim, nomar shelo aya rovian el achasiyama. On ne voit pas dans la Torah claire à quelle était l'épaisseur des krashim. Peut-être que l'épaisseur des krashim, ce n'est pas une ama, mais c'est une chasiyama. Ok ? C'est clair, non ? ושני קרשים ממקוסת המשכן היו סותמות אמת אוויר מכאן ואמה אוויר מכאן. וחסי אמה עודפת ברוחב הקרש כנרד עובי הקרשים של צפון ודרום. ומאי חזית לממד יפחה, כי תאג'ילו כולכך שחסי אמה לכאן וחסי אמה לכאן, הוא למלאות חיסרון הכותל ואמה עובי להיות כנרד עובי הקרש הדרומי והסוני. ותחומנג'י, תוסות דומנד, כי תאג'י, לפסור דולה פוטר סטי אונמה, de telle sorte que dans mes 12 amotes, ça prend chacun une amas, le côté nord, côté sud. Et donc, il me reste
par rapport aux neuf amotes, une demi de chaque côté. Peut-être le contraire. Peut-être que la poutre, elle faisait une demi-ama d'épaisseur. Les deux poutres, au nord et au sud, ça fait en tout une ama. Et comme moi, j'ai 12, ça fait que j'ai 9 et 6 fois 1,5, 10 et 11. Et la largeur du Mishkan faisait 11 amotes. Peut-être c'était comme ça. Qui a dit à l'Agmara que la largeur du Mishkan intérieur était de 10 amotes? Peut-être c'était de 11 amotes. Réponse aux fautes. Omeri de mi bet olamin et al final là. On a appris ça du Bet Amirdash. Shaya al koshishi mama velorbo esrim. La hauteur du Bet Amirdash était haute de 60 et large de 20. Ça veut dire que la largeur était le tiers de la hauteur. De la hauteur. De la longueur, pardon. Hauteur de la tiers de. Comment c'est marqué? Shishi mama. La longueur était Shishimama et la largeur était Esrim. Donc le tiers. Oui. Même dans le Mishkan, la largeur c'est le tiers de la longueur. La longueur c'est marqué Shloshim Amma. Ah. Donc le tiers de ça c'est 10 Amma. Baruch Adonai l'Olam. Amen, amen. C'est le Yitzhara. Qu'est-ce qu'il est fort, l'Yitzhara? Justement parce que là, aujourd'hui, on ne doit pas étudier. J'ai envie vraiment de réviser parce que je n'ai rien compris. Mais alors là, je ne vais pas le faire. Pourquoi tu n'as rien compris? Non, j'ai compris, mais il y a des choses que je n'ai pas. La structure de mes scans, je n'ai pas bien compris. Ça aurait été plus simple s'il y avait des photos. Mais bon, il y a des. Peut-être dans certains. Peut-être Metivta, il fait des photos plus. Oui, mais jusqu'à que j'aurai la Metivta. Oui, en 3D. Ok, Hazak Baruch, Rabbi Noadi. Rabbi Natachem, sommes calmes, d'accord, et on se revoit après le. Vendredi. Vendredi, donc on a dit à quelle heure? 2h30, vous voulez? 2h30 ou 2h15, comme tu as voulu, toi. Le mieux, moi, le plus tôt, c'est le mieux pour moi, donc 2h15, c'est mieux. Si on peut faire 2h15. 2h15, alors. Bon, on se fixe 2h15. Allez, call tout. Ok, allez, bye bye. Sommes calmes, bye.